Calvi en Corse, vendredi 13 décembre 2002. Le 2e régiment étranger de parachutistes est en alerte pour partir en Côte d'Ivoire. Ses légionnaires en majorité roumains, hongrois, slovaques ou ukrainiens sont des snipers destructeurs. Ils sont commandés par le capitaine Favreau, un officier de 33 ans. 4e compagnie rassemblée, à vos ordres, capitaine. La Légion a une mission délicate. Notre action. La France ne doit pas s'ingérer dans les affaires ivoiriennes. Elle doit s'interposer pour éviter des massacres entre ethnies. C'est-à-dire rigueur dans l'exécution de la mission. La mission, qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, vous l'effectuez. Voilà, compagnie. Aïe. En quelques jours, la situation est devenue explosive. La crise pourrait s'étendre et embraser l'Afrique de l'Ouest. Paris veut l'éviter, alors que des soldats français ont déjà été pris à partie par les rebelles. On risque d'arriver dans des situations un petit peu difficiles. Donc les gens, ils sont entraînés. Ils reproduiront ce qu'ils ont appris. Maintenant, on ne peut pas dire que personne n'ait une petite appréhension. Je pense que ce n'est pas possible. Mais comme moi, je pense que tout le monde est sûr de ce qu'il sait faire. Ensuite, se raccroche aux structures existantes. La Légion est envoyée en Côte d'Ivoire pour protéger les 20 000 Français pris dans la guerre civile. Abidjan, la capitale. Depuis l'indépendance, il y a des accords de défense avec la France. En temps normal, 600 soldats français stationnent ici, à Port-Boué. En quelques semaines, leur nombre a quadruplé. Beaucoup ont été déployés à 300 km au nord, le long d'une ligne de cessez-le-feu. Les légionnaires parachutistes avec qui nous débarquons renforcent ce dispositif de l'opération Licorne, la plus importante depuis la guerre du Tchad, il y a 23 ans, en 80. La pression monte un petit peu, parce que d'abord on est arrivé sur le territoire, on a commencé à faire nos perceptions, on a commencé à envoyer un élément sur le terrain, on sait que ça bouge et que la situation est instable, c'est vrai. Ce n'est pas par hasard si cette mission est confiée en partie aux légionnaires. Ils sont préparés pour avoir une grande maîtrise au feu, ils sont toujours sous contrôle et obéissent presque aveuglément à leurs officiers. J'ai un gros faible pour les légionnaires parce que j'ai travaillé qu'avec eux jusqu'à maintenant. Je me suis beaucoup attaché à leur mentalité, à leur manière d'être assez désintéressé, à s'accrocher à tout prix, à aller jusqu'au bout de ce qu'on leur demande. C'est-à-dire que je suis intrigué un petit peu par ça. Je me dis, est-ce que moi, je l'aurais fait, quoi? Est-ce que un beau jour, j'aurais quitté famille, pays, et je pars à l'autre bout du monde et je me lance dans une nouvelle vie? Je ne suis pas très sûr de pouvoir le faire. Dès lors que la Légion a accepté ces hommes, ils n'ont plus de passé. Les légionnaires qui s'interposent entre l'armée ivoirienne et les rebelles savent qu'on ne leur pardonnera aucune bavure. On a fait des reconnaissances en ville. Ça s'est bien passé, certains nous accueillaient avec contentement. À mon avis, on sera bien accueillis sur tout le trajet, en tout cas aujourd'hui. En fait, les Ivoiriens espèrent que les Français vont leur éviter un bain de sang. Tous se souviennent des massacres au Rwanda il y a 9 ans. Alors, quelle est la situation sur le terrain à votre départ là ? Alors, à notre départ, on a une situation qui est stable au centre. Par contre, dans la région de Douekoué, les Fancy sont repliés, donc ça bouge un petit peu plus quand même vers Mans. Et les premiers éléments français, aux dernières nouvelles, ils sont en première ligne. Et vous pensez à ceux qui sont en première ligne? Bien sûr, on pense à eux. On se dit qu'on aimerait bien être à leur place. La première ligne, la voici, à Douekoué, dans l'ouest du pays, à quelques kilomètres du Libéria. 140 légionnaires parachutistes d'une compagnie de combat sous les ordres d'un Saint-Syrien, Hubert Dunant, 29 ans, capitaine. Il n'a jamais combattu, il est chargé de stopper la progression des rebelles. Vous venez d'où ? J'ai bien les guébés. On voit pas mal de mouvements de population qui fuient la zone des combats, là. Aux dernières nouvelles, les rebelles sont à combien de kilomètres d'ici ? 35 kilomètres. S'ils veulent faire une percée à long terme, forcément, il faut qu'ils s'emparent de l'axe. Ils peuvent aussi débarquer et combattre à pied, raison pour laquelle on a aussi un dispositif sur les côtés, dans un terrain qui est assez difficile parce qu'on voit mal et les chantiers sont relativement réduits. Vous voyez en vous baladant dedans la difficulté qu'il y a à contrôler un terrain comme celui-là. Pour empêcher les débordements par la jungle, le capitaine Dunant place des postes de tir de chaque côté de la route. Bon, on va reporter la tête dessous, c'est notre. Bah, plus on dégage, plus on a des vues et plus on peut tirer loin. Quoi. Les gens sont concentrés, quoi. Ça peut déboucher n'importe quand.
Les Français ont établi ici une ligne rouge. Avertis, les rebelles ne doivent pas la franchir. Le village de Douékoué ne doit pas tomber. C'est l'école qui sert de base le temps des vacances scolaires. L'officier de la Légion apprend que des rebelles tentent de contourner son dispositif en passant par des pistes. On va les réinstaller. Non, le problème, c'est qu'après, on peut être débordé par là. Quoi. Ça évolue super vite. Hein. Ça évolue vite. Hein. Bah, c'est la... on travaille sur des distances qui sont relativement courtes et avec des gens qui sont motorisés. Hein. Ils s'étalent un petit peu plus, donc on ne va pas leur apprendre comment est le terrain, ils sont chez eux. Des tirs seraient entendus. À la radio, des soldats sur l'une des pistes que les rebelles peuvent emprunter. Je suis en place. Je suis en mesure d'interdire piste. Par contre, je ne suis pas en mesure d'interdire des débordements à pied par les. Aiglevin, je vais me rendre sur votre position d'ici 30 minutes. Aiglevin reçu. L'officier a compris. Il faut des renforts. Ça progresse, hein. Ceux qui essaient de le déborder font partie du MPIGO, le mouvement patriotique ivoirien du Grand Ouest, qui revendique 6000 combattants. Contrairement aux autres mouvements rebelles, il n'a pas signé le cessez-le-feu. Les ordres sont clairs, pour préserver le processus de paix, il ne faut pas les laisser passer. Les rebelles, tranquillement, au cours de la journée, sont descendus vers le sud. Après les avoir clairement identifiés comme rebelles, et s'ils continuent à avancer dans mon dispositif, j'ai honte de les détruire. Aiglevin, donc je suis en train de me rendre sur votre position. Donc je répète, identification, sommation, destruction. Aiglevin, serre à gauche. C'est sur cette piste, à la sortie de la ville, que deux chars sagués montrent clairement la ligne interdite. À bord, le lieutenant qui craignait à la radio de ne pas pouvoir contenir une attaque. Bon, on guidait mon dispositif actuel, donc là j'ai un tube ici. Oui. Ils entendent des tirs de calage sur la droite. Ok. Ils déborderaient peut-être. Des tirs de Kalachnikov, les rebelles se rapprochent. Difficulté, ne pas prendre des civils pour des rebelles. Les Français comme les Anglais ont une approche différente des Américains pour qui tout ce qui bouge est un ennemi, comme on l'a vu en Irak. Pour exclure les bavures, ici en Côte d'Ivoire, on ne tire pas sans certitude. On tombe sur notre dispositif qui était face à eux sur ce chemin-là. Là, ils sont loin d'ici. Ils sont a priori à un village qui est à 3 km d'ici. Cet avion de la marine française renseigne les hommes au sol. Il a repéré un convoi qui se dirige vers eux. Bon, apparemment, mouvement de véhicule par la droite. Aiglevin, répété. Reçu. Sur la piste, en effet, un véhicule avance lentement. Des soldats en armes dépassent du toit et de la portière. L'officier légionnaire ordonne un tir de sommation. Aiglevin, attention aux civils, vous détruisez avant ou après les civils, mais pas au même niveau. Dégagez là ! Sur le côté ! Là. Répétez, tir de sommation. Feu. Tu confirmes, véhicule détruit, correct ? Reçu, stop, et poursuite de l'observation. L'observation est difficile, on ne voit presque rien de la cible. Les rebelles ripostent. Aiglevin, c'est qui les petits tirs là ? C'est toi ou c'est eux là ? Négatif, j'ai tiré après deux tirs de sommation, un OE sur le véhicule civil armé. Vérico, tu annonces à moi être un véhicule détruit, des éléments débarqués qui ripostent. Il y a un autre. Au bout de la piste, deux autres véhicules armés arrivent. Feu. Aiglevin, bilan de l'affaire. Aiglevin, apparemment, on a détruit trois pick-up depuis le début. Reçu, lancez quelques tirs en l'air. Là. Je pensais pas qu'il viendrait se frotter. Moi, je pense que là. Là, vous avez détruit quoi ? On a détruit trois véhicules. Il y avait du monde dedans ou ils sont partis avant ? Je sais pas. Ah, il y avait du monde dedans. Là. Non, je pense qu'il y a 4 à 5 morts minimum. Vous avez l'habitude de faire ça ? J'ai pas l'habitude, mais c'est la première fois que je commande une action de feu. Mais Et ça fait quelle impression ? Eh ben, je sais pas, on a l'impression que c'est un exercice où on voit les résultats, quoi.
Ouais. Non, mais... Je pensais que c'était quoi, plus facile, plus difficile. Non, mais voilà, c'était... C'est l'ultime fin de l'entraînement, quoi. Jusqu'au bout, avec les tirs de sommation répétés, j'avais essayé de pas le faire. Hein. Maintenant, j'aime pas plus que les autres donner la mort, mais bon, il y a pas des tas d'un à partir du moment où on a fait tout ce qu'il fallait pour que jusqu'au bout, on puisse l'éviter. Quoi. En particulier pour les deux, pour le deuxième et le troisième véhicule, où ouais, c'était carrément du suicide. Quoi. Un hélicoptère français est alors envoyé en reconnaissance. Donc, confirmation de Pégase, le véhicule donc fait demi-tour vers le nord. Reçu. Les rebelles ont fait demi-tour. 20 minutes plus tard, l'armée ivoirienne, fidèle au pouvoir, repasse devant les lignes françaises. Pour l'instant, les Français ont ordre de ne pas quitter leur position. Une heure passe, et puis, comme souvent en Afrique, des gens sortent de nulle part, comme s'il ne s'était rien passé. C'est bon. Les légionnaires les interrogent sur ce qu'ils ont vu sur la piste. Oui, il y a un mot dedans. Il y a une autre. Nous, on a vu un comment, on pique de l'un, on ne s'est pas arrêté. D'après ce témoin, il y a un mort, le capitaine reçoit l'ordre d'aller voir. On va affiner le bilan, là. On a reçu l'autorisation d'aller sur les zones de destruction pour faire le bilan. Garde-toi sur le coup. Le premier véhicule n'a pas été touché par le tir du char français. Pourtant, le conducteur a bien été tué. Il est incarcéré sous le volant. Les autres occupants ont disparu. Morts et blessés ont été emportés par les survivants. Une très forte odeur d'alcool se dégage. Les rebelles n'avaient pas que des munitions. ...500 mètres plus loin sur la piste, deux autres véhicules. Normalement, la zone est maintenant sécurisée. Soudain, un coup de feu est tiré dans leur direction. Le VBL, véhicule blindé léger, leur sert de bouclier. Vous l'aviez, moi. Allez. Krinsky, Joubert, Rocco. Vous l'aviez avec le VBL. Joubert, passe là-bas. Coup de sonde de 10-15 mètres. Krinsky, dépasse. Tu fais 30 mètres, tu te mets face à 11h. Allez. Je pensais que c'était un blessé qui nous a tiré dessus, mais non, j'ai plus personne. Les Français sont passés là devant. Ouais. C'est par là, mais ils sont barrés. Ouais. C'est cool. Ils sont partis dans cette direction. Allez, on évacue l'épave là. Les rebelles qui quoi? Des rebelles qui sont venus récupérer ce qu'ils avaient récupéré. Qui ont été surpris par le fait qu'on... Donc ils nous ont tiré dessus, hein. On vient et qui nous ont tiré dessus, tout simplement. Allez, Krinsky ! Boulabi ! Monte dans le VBL ! Chapeau ! Allez, tire ! À leur retour dans le village, en théorie sous contrôle des loyalistes, ils découvrent que deux hommes ont été exécutés dans l'après-midi. Mais la mission des légionnaires ne leur donne le droit d'intervenir que lorsqu'ils constatent de visu les exactions. Retour à l'école de Douikoué, une journée dont le capitaine de Légion se souviendra, c'était son baptême de feu. Ah. Journée bien remplie, nickel. Excellente réaction de l'ensemble des gens qui ont mené cette affaire, que ce soit les gens qui étaient avec moi, les gens du VBL. Il n'y a pas eu d'impact, mais il y aurait pu, d'accord ? Notamment à la deuxième prise à partie. Donc, il y a le doute, tout le monde passe en frag. Le frag, c'est leur gilet pare-balles. Le capitaine sait qu'ils auraient pu avoir des morts. La mort, vous y pensez sur le terrain ? Je dirais, on y pense sans doute avant et après, mais pas dans le feu de l'action. Sans doute que...
dans les heures à venir, là, la petite poignée qui était qui allait sur l'épave et les gens du VBL là, vont se dire après tout pourquoi pas quoi. Mais pas pendant. Pendant c'est vraiment le drill. On répète ce qu'on a répété, on donne les ordres et tout le monde réagit bien. Le lendemain, les rebelles annoncent que 12 de leurs hommes ont été tués dans cet accrochage. Les légionnaires sont préparés à tenir dans ce genre de situation. On leur a appris à combattre, à maîtriser leurs nerfs et leurs armes. C'est le fruit d'un entraînement à la fois précis et soutenu. La République de Djibouti, dans la Corne de l'Afrique. Ce Transal récupère une compagnie d'infanterie qui termine un exercice de combat de 72 heures. Ces soldats du 2e régiment étranger de Nîmes ont pris la place des paras du capitaine Dunant, parti pour la Côte d'Ivoire. Avec Djibouti, la France a aussi des accords de défense. En contrepartie, les forces françaises utilisent son territoire pour s'entraîner à la guerre en milieu désertique. Djibouti est l'endroit le plus chaud de la planète. Les températures atteignent 60 degrés. Des zones désertiques, une situation stratégique, une région instable. Les forces spéciales américaines se sont elles aussi installées dans ce camp près de l'aéroport. Les légionnaires de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère basée à Djibouti sont en permanence placés dans une configuration de guerre. La section du sergent-chef Molinet se prépare pour un stage d'entraînement commando, le CECAP. Voilà, on va partir au CECAP. Pour ça, ici, il y a 24 anciens sacs à dos. Les sangles, c'est pas quand on sera à courir au bout du 5e kilomètre qu'il y en a un qui va dire « Oui, mais mon sac à dos, la sangle, elle a pété. » Donc vérifiez la tenue des sangles. D'accord ? Et ici, c'est pas pareil qu'en France parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Donc attention, pensez déjà à vous hydrater largement à l'avance. N'attendez pas qu'on vous dise de boire un coup. D'accord ? Caille, il est où, Caille ? T'as compris ? Qu'est-ce que j'ai dit alors ? Il faut vérifier le sample. Voilà, il faut vérifier. Alors si Kai a compris, tout le monde a compris. Allez, caporal de jour, en avant, vérification des sacs. Chacun avec un sac devant et en avant, c'est parti. Là. Allez, c'est parti. Vous demandez à Kai s'il a bien compris, parce que c'est pas évident. Parce que si Kai il a compris, s'il me dit oui, pour moi, c'est efficacité pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que bon, il a du mal à s'exprimer, hein, c'est un chinois, donc si lui il a compris ce que je viens de dire, tout le monde a compris. Parce que je prends au plus bas et comme ça j'ai une réponse de toute la section. C'est bon, Kai ? La particularité de la Légion, ce sont, on le sait, ses étrangers. Celle de cette section, c'est son chinois. Ça va mieux ? Oui, ça va, chef. On va réussir le stage. On te remettra un beau brevet. Après, quand tu retourneras chez toi, là, tu vas avoir ton brevet. Là. Allez. La Légion est aujourd'hui à l'Est. Composé de Hongrois, de Russes, d'Ukrainiens, de Roumains, de Polonais. Parce qu'avec vous... Le sergent-chef Molinet, lui, est un Gaulois, un Français. On lui a affecté une nationalité étrangère puisqu'à la Légion, là, on ne peut s'engager en tant que Français. Là, vous avez le compatriote et celui qui sert d'escorte à Bobby. Bobby qui doit être dans le secteur. Normalement, il est où, Bobby, là ? C'est qui, Bobby ? Ah ! Alors, Bobby, c'est toute une histoire, là. C'est en fait, c'est une mascotte qui nous suit partout. Et on la donne au plus jeune légionnaire. Quand il arrive à la section, il doit le porter. Donc il est de tous les voyages, il mange pas, il boit pas et il fait pas de bananes. Mais enfin... Les bananes, c'est quoi ? Les bananes, ça veut dire il fait pas de conneries celui-là. Là. Il fait pas de conneries. Mais généralement, quand le légionnaire qu'il a en compte, il en fait une, généralement, Bobby, il suit avec. Quoi, hein. Allez, énumération et en avant, tout dans le sec. Depuis des Rangers. Un caporal vérifie le pactage de chacun des légionnaires. Un poncho, un casque. Chapeau blouse, stick de camouflage, boussole, des ficelles, chatelleton, bougie. C'est bon là ? Ok. Premier chef d'équipe, le caporal Novak est polonais. Deuxième chef d'équipe, le caporal Biard, un gaulois, ne serait pas au meilleur de sa forme d'après son chef. Il va le perdre. Là, il sort des locaux d'arrêt. Il était dans la cage à Cousteau un peu là. Donc, je pensais qu'il allait maigrir un peu quand il était en tôle là, mais ça va là. Le chef a un œil attentif sur les nouveaux. C'est quoi ta serviette pour partir là ? Le premier classe Hamzaoui a quitté l'armée algérienne pour venir à la Légion. Il avait, dit-il, trop vu de massacres dans son pays. C'est pour Club Med qu'on va, au CECAP. Hein. Il y a des forts et des moins forts, ça veut dire chacun a une spécialité. Vous voyez, on voit le légionnaire de première classe Hamzaoui, je sais qu'il a un problème en natation.
Voilà, il le sait très bien qu'il a un problème en natation. Il a eu un accident quand il était petit, il a failli se noyer à la mer dans son pays. Du coup, bon, il a du mal, il est un peu claustro. Donc là, ben, les gens de son groupe, eh ben, ils vont lui donner un coup de main, ils vont l'encourager, parce que lui, il va falloir le sortir de l'eau, quoi. Et on laisse personne derrière. Le chef a prévu pour lui une bouée. On va mettre ça sur un mzaoui en douce sur sa veste. Ça veut dire qu'au lieu de mettre de l'eau, on va la gonfler avec de l'air sous la veste. Ça lui fera une poche d'air, personne ne verra. Et comme ça, il pourra flotter. Ça sera camouflé par la veste. Bon, il la gonflera au dernier moment et ça va l'aider sérieusement. Et je pense qu'il va passer. Hein. Le départ pour le stage commando est prévu maintenant dans quelques minutes. Les hommes sont assez tendus, l'épreuve a une réputation redoutée. Le commandant de compagnie, le capitaine Bertrand Morel, ne tente pas de les rassurer. Monter pour 3 semaines, faire un stage qui n'est pas facile pour plusieurs raisons. D'abord, vous allez être confronté à un milieu semi-désertique et côtier qui est dur. Donc la fatigue va être double, donc vous ne partez pas dans les meilleures conditions. Mais quand on n'est pas capable de consentir l'effort alors qu'on n'est pas dans les meilleures conditions, eh ben c'est qu'on est à côté de la cible. Ça sera au prix d'efforts, d'investissements personnels. Mais faites attention à vos camarades. Le CCAP, c'est bien, mais on peut y laisser une part de soi-même. Donc regardez vos camarades, celui qui commence à blanchir anormalement, qui transpire plus, c'est qu'il va faire ouche. Donc maintenant, serrez les rangs, serrez les dents, serrez tout ce que vous êtes capable de serrer et réussissez bien. Aïe ! Bonne chance à tous au CCAP. Le CCAP, c'est le centre d'entraînement commando d'Artaplage situé à 150 km de Djibouti en bord de mer. Pour y parvenir, il n'existe que cette piste rocailleuse. Ils sont 60 à se lancer dans ce stage. Aucun n'est sûr d'aller au bout. Artaplage, pour certains, c'est l'enfer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la route qu'on vient d'emprunter pour venir jusqu'à là, c'est pas celle de Quiberon pour les Antalasso. Hein. Il ne faut pas confondre. Hein. Déjà, dès le départ, on s'aperçoit qu'on ne va pas dans un centre de vacances. Quoi. Attention, la ration d'eau, c'est 6 litres par jour, par homme. Le mec tombe à 8, ben, il en manque un peu à la fin du stage, évidemment. En avant, c'est parti. C'est beaucoup, 6 litres d'eau par jour. Ah bon, vous croyez? Mais moi, je peux vous dire que quand ils vont commencer à galoper sur les pistes, ça risque même d'être léger, quoi. Ah bah ouais, 6 litres, vous vous rendez compte, on est en saison fraîche, et vous allez voir qu'il y en a certains, ils vont en boire même 8, parce que de toute façon, il faut qu'ils éliminent, hein, et comme ils vont en crever de chaleur, il leur faut de la flotte, quoi. Il faut s'hydrater en permanence, quoi. Donc à partir de là... Pendant la durée du stage, les légionnaires dormiront dans des carbets, ces baraquements de tôle ouverts sur les côtés, pour mieux supporter la chaleur. Ils n'en profiteront pas beaucoup. À Artaplage, tout est rationné, l'eau, la nourriture et bien sûr le sommeil. Seul l'entraînement est sans limite, l'un des plus durs de l'armée française. Assis ! Debout ! Allez sur moi ! Ça c'est la première séance, on va partir doucement. Et après, ça va s'enchaîner un peu plus rapide et un peu plus rusticité. Je répète une dernière fois, assis ! Le sergent-chef Philippe Fontaine est de La Réunion. Il dirige la première séance. Officiellement, il s'agit d'un entraînement au combat corps à corps. En fait, le but est de repousser les limites de la résistance et de la souffrance de ces hommes. 21, 22, 30, 31, 32, 48, 49, 50, debout, par deux devant moi, là, rapidement, là-bas, rapidement, face à face, voilà, là, ok, là je prends, ici, là, rotation, ok, et là je tombe sur lui. Je relâche. Et là, je suis en position de garde. Debout. Encore une dernière fois. En position. Debout. En position. En bas, en haut. 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 En bas, en haut.
Eh mais vous rigolez ou quoi? Normalement c'est une séance facile. Les pompes, c'est pas les pompes corses ou les pompes de gonzesses. Allez messieurs, rapidement, on n'est pas là pour dormir, ok? On contracte. On marche sur les abdos. C'est en sifflant qu'on devrait faire ça. Allez, action! En avant! L'objectif est de renforcer chez chacun d'eux la maîtrise de leur corps pour reculer le moment où ils risqueraient de perdre le contrôle de leurs nerfs lorsqu'ils seront confrontés à des situations difficiles. Allez, par ici! Ça, c'était la première séance de CAC. Là, vous étiez ménagés. Ok, vous venez d'arriver, acclimatation, tranquille. La prochaine séance, un peu plus rustique. Allô ! Le CAC, c'est donc le combat corps à corps. Boule de feu, Légion. Boule de feu, c'est avoir la pêche à la Légion. Je pense qu'ils ont eu la dose, c'est bon. C'est comme ça qu'il faut. Allez, tout le monde en place dessous, là. Hé, hey, l'affaire, elle est simple. Je vais ouvrir l'eau. Je compte jusqu'à 20, vous vous mouillez. Je ferme l'eau. Vous vous savonnez. Vous avez 3 minutes pour vous savonner. J'ouvre l'eau, vous avez 20 secondes pour vous rincer. Attention. Mouillage. Hé, hey, mouillage. Si vous laissez les robinets, il y a tout le monde qui se compte à l'assaut là-dedans, là, et puis 20 minutes, ils sont en train de prendre la douche encore. Et après, pendant tout le reste du stage, ben, on n'a plus d'eau douce. Hey, dépêchez-vous, là, ça va compter, là. Alors, d'abord, rinçage. Attention, là, 10, 9, 8, 7, 6, 5, attention, fini, terminé. Même la douche est minutée. Artaplage n'est pas, il est vrai, un camp de réflexion, mais d'action, où le temps de souffler n'est pas de mise. La section a été mise en alerte pour aller récupérer un journaliste tenu en otage par, a priori, 3 gardiens armés, 4 km plein ouest, dans la direction de Montbras. Donc on va embarquer tout de suite dans les Zodiacs, on va être déposé sur une plage, on s'infiltre à pied, on récupère le journaliste et on s'exfiltre vers une autre plage où on est récupéré en Zodiac. Une prise d'otage, c'est une situation à laquelle ils peuvent être confrontés dans la réalité. C'est souvent arrivé au Liban ou en Afrique. Quatre kilomètres plus loin, les preneurs d'otages. C'est l'instructeur qui a organisé l'enlèvement du journaliste. La table ici. Oui, mets la table ici déjà, là. Table ici. Après, c'est parti, déguisage. Qu'est-ce que vous préparez? Là, on prépare le scénario pour jouer les mauvais, en fin de compte. Donc à partir de là, maintenant, après, à chacun, je vais leur donner le rôle qu'ils ont à jouer là-dedans, quoi. Lui, c'est le journaliste, là-bas. Il a un rôle important dans l'enfer. C'est bon, le journaliste, ou? Tiens, on va faire un truc. Tu vas pas mettre tes rangers, tu vas rester pieds nus. T'es un vrai prisonnier pour pas que tu t'enfuis. Donc on va voir s'ils vont avoir l'idée de prendre des chaussures sur un mort pour t'équiper à toi pour que tu puisses tailler la route. On va voir. Une petite variante dans l'affaire, là. Et c'est comme ça que vous les voyez, les journalistes? Les Eh, t'as vu comment t'es habillé, toi? Je sais pas, je suis mis à fleurs. Putain, on dirait un mec qui va faire un safari au Kenya, là. Les bouchons, c'est moi qui les ai, là. Donc, toi, tu joues le jeu. Si jamais il t'enlève pas le scotch et qu'il commence à te bouger, tu remues la tête parce que moi, j'étais piégé derrière. D'accord? Si maintenant, ils sont assez malins de t'enlever le scotch, et à ce moment-là, tu leur dis, attention, ils m'ont piégé derrière. D'accord? Et s'ils sont pas assez malins qu'ils commencent à toucher à tout, bah, c'est tant pis pour leur gueule. Voilà. Voilà! Tu te couches! Tu te couches, la corde. Pour nous montrer le fonctionnement de son piège, il utilise une grenade désamorcée. Il bouge, le gars il va arriver, il va le bouger. Il le bouge, voilà, il le soulève et voilà. Il voit que ça pète et là il est cuit. Pour l'exercice, il met une autre grenade à plâtre. C'est une fosse. C'est une fosse, mais je te rassure, si elle te pète dans la main, tu chantes quoi. T'as la main qui gonfle. Oh, là je fais semblant que je protège mes arrières, donc je piège le bâtiment, je
récupère le bâtiment. Comme ça, si je suis prêt à partir ou n'importe quoi, je peux encore faire tout sauter, l'otage à l'intérieur avant qu'ils interviennent. Quoi. Il va y avoir des décisions. Ou ils vont couper la méchante comme elle va comme qui a flambé pour éviter que ça saute pour extraire le malin. Ou alors un imbécile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever ça. Mais derrière, je vais mettre le piège. En fin de compte, c'est miné, mais piégé. Ok. Voilà près de 3 heures que l'exercice a commencé et les libérateurs de l'otage n'ont pas encore montré le bout de leur nez. Pourtant, ils ne sont plus loin. Ils ont débarqué de leur Zodiac à une dizaine de kilomètres et depuis, ils progressent en silence. De l'autre côté, dans le camp des preneurs d'otages, l'instructeur joue sérieusement la comédie. Hey, journaliste, bois un coup, là. Voilà. Ça suffit pour lui, là. Vous faites un bond jusqu'à la position 33. Mission pour vous, vous en parlez de la maison, bâtiment en béton, 50 mètres devant vous. En avant. Alors, allez! Allez à la baraque, en avant! C'est des mouilles, là, c'est pire! Allez, allez, en avant! 56! Allez, feu, feu, feu! Le chef des libérateurs arrive, attention. Un légionnaire sud-africain. Vérifiez, touche pas. L'adjudant Kruger connaît son métier. C'est bon, faut pas enlever le... Aussi. Faut pas enlever. C'est bon, il n'y a rien qui va exploser. Ok, enlève-lui, ça. Piège, piège. Ok, maintenant, demande-lui ce qui se passe. Mais c'est... Et qu'est-ce que c'est, une grenade? Qu'est-ce qu'il y a? Grenade, piège. Grenade, ok. Barredo, dégagez. Attention, je vais enlever la grenade. Ok, c'est bon, Vlasiak, en avant. Hé, hey, grenade! Attention! À gauche des camions! Bix! Bix! Ok, c'est bon, on y va! Putain, il n'a pas de chaussures! Comment tous sont des chaussures? Allez! Et... Tout le monde enlève les rangers des partisans ici là! Allez, enlève les rangers! C'est comme ça que je les aime! Ça va, mon lieu? Deuxième! La libération de l'otage a pris 3 minutes. Pas mal. Vous avez vu le premier effet qu'ils ont eu quand j'ai allumé le bout de feu, c'est tout de suite d'aller vers la charge, quoi. Puis c'est Jeff qui est arrivé, il a retiré la charge, puis là, bon, ça a pété, quoi. Mais ils se sont reculés à temps, quoi. Ça fait plaisir à voir, quoi, parce qu'ils ont retenu quelques petits trucs. Pas mal. Maintenant, on est en chaussettes. À Arta Plage, la mer et la baignade ne constituent pas un loisir pour tout le monde. Donc là, c'est une épreuve éliminatoire. Le stagiaire qui, tout à l'heure, fera un échec à la natation, sait qu'il n'aura pas le stage, déjà. Et qu'il va faire 3 semaines une sorte de punition, quoi, pour lui. L'eau n'est pas l'élément préféré du légionnaire Hamzaoui. Oui, ça va, ça. C'est une boule de feu. Là, on va faire la natation. En fait, on va passer à la mer. C'est pour faire le test de natation. Donc, c'est créé un peu pour moi parce que c'est chez nous nageur. Et j'espère que tout se passera bien. Donc, ça va panique passer. Là déjà. Hein, allez, devant moi, en demi-cercle. Test natation et apnée. Avec, bien sûr, on est des soldats. Donc, le FAMAS dans le dos. Arrivé à la bouée, 3 mètres de fond. Le moniteur vous dira, tu prends ton FAMAS et tu le laisses couler au fond. Là, une bonne inspiration. Et du mieux que vous pouvez, vous allez au fond. N'oubliez pas, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème, putain, il n'y a rien du tout là. 200 mètres, c'est 200 mètres. Tranquille. On arrive là-bas, on lâche le FAMAS et on va le chercher, c'est fini là. Pas besoin de petit côté. Hein.
Ça bouge pas, il n'y a pas de vagues, il n'y a rien. Comme la piscine. Comme la piscine. Mais là, ils ne sont pas en maillot de bain et dans l'eau, la tenue de combat encombre. L'instructeur n'a pas placé sa bouée de secours. C'était une blague. Ça se passe bien pour l'instant. Ils sont tous... Bon, ils savent ce qu'ils font là, ça va. Au bout de 100 mètres, Hamzaoui fatigue, le moniteur a compris qu'il n'ira pas plus loin. Eh, terminé, il monte là-bas. Allez, on continue là. En général, c'est les Africains qui ont beaucoup de difficultés à nager. Même ceux qui font partie Martinique, Guadeloupe ou Malgache, qui sont nés sur, dans des îles, ils ont des requins chez eux. Non, viens et nous là. Alors, c'est oui ou c'est non? Embarque, terminé. Donc les parents ne veulent pas que les enfants aillent se baigner. Donc ils n'apprennent pas à nager petit et c'est pas inné. Quoi. Le caporal Novak, le chef d'équipe polonais, lui aussi est en difficulté. Comment ça se passe pour lui? C'était limite, mais justement, c'est là qu'il faut se sortir de soi-même. Il faut oublier un peu tout ce qui se passe et il faut y aller. Quoi. Il doit réussir, il doit y le faire. Allez, on y va. Eh, pousse avec tes jambes, tu sais plus nager là. Eh, je vois tes jambes là. Eh, la grenouille. Nage. Nage, il y a ta section qui t'attend là. Nage. Voilà. Novak est passé. Voilà. Mais ils sont 6 à avoir échoué. Les 6, vous connaissez la règle du jeu avant de venir au CECAP, donc vous n'aurez pas le brevet, mais vous continuez avec honneur et fidélité. Donc le moral, il en prend un coup dans la gueule, mais dans 5 minutes c'est fini. Et bien entendu, sur le parcours collectif, vous allez montrer que vous savez peut-être pas bien nager, mais que sur le parcours collectif de jour comme de nuit, c'est vous qui allez pousser les autres. D'accord ? Ah, allez, hein, Olivier, il y a plein de trucs dans le col. Vous avez l'air déçu. Ouais. Ah, ça fout un peu les boules, quoi, parce que là-dedans, il y a quand même des bons mecs, quoi. Parce que là, bon, c'est fini pour eux, quoi. Bon, ils recommenceront peut-être dans un an ou dans deux ans. Mais moi, ça me fout les boules quand même. Voilà. Et la section devant moi, en demi-cercle, rapidement! Je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris où ils étaient. Repartez d'où vous étiez là. La section devant moi en demi-cercle. Là, ça ressemble à du commando qui se réveille. Premier obstacle, appelé gouttière. C'est parti. Si vous êtes tireur d'élite et que le chef de section vous dit « Tu te mets sur le toit pour surveillance, etc. » Il y a une gouttière, vous prenez la gouttière. Pourquoi on ne rentre pas par la porte? C'est peut-être une baraque qui est fermée, qui est peut-être minée, piégée, etc. Donc la gouttière, ça m'étonnerait qu'elle soit piégée. Ça, ça va, c'est pas comme la natation comme tout à l'heure. Ça, je peux le faire. Vu qu'il y a un gros cul, c'est bon, il reste en bas, là. La mayonnaise et le ketchup du club, tu te sens tout de suite l'affaire là. C'est au tour d'Hamzaoui. Ça c'est pas bon du tout, on voit bien que le mec il balise. Parce qu'il progresse. Moi ça me fait pas du tout rigoler Hamzaoui cette affaire. D'accord. Ça me fait pas du tout rigoler cette affaire là. Allez, elle rentre là. Allez, oui, tu remontes. Tire dessus, Pierre Plat, là. Tire dessus, sur la cave, Hamzaoui. Allez, vas-y, chope le cap, maintenant, là. Allez, chope le cap, t'y es, là. Allez, John, vas-y, allez, maintenant, bondu, là, devant, là. Allez, Hamzaoui. Ah, bah, putain, attends, écoute, entre la natation, là, et le truc, là-haut, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en cuisine, quoi. Tu vas faire custo, hein. Toi, tu vas finir, toi, tu vas finir à la cuisine, là. Il doit être au niveau de ton cul, voilà. Ramasse-moi tes mousquetons. Ça fait rire, toi. Non, ça fait pas rire. Hamzaoui, tu marches sur tes mousquetons, là. Allez. Attends. T'as vu, on dirait une grosse merde là-dessus, là. Natation zéro, là, zéro. Je refais un passage, après. Je le refais, mon ami. Il n'est pas le seul à avoir des difficultés. Sur le câble, le chef d'équipe Biard, le Gaulois, qui avait pris du poids. L'exercice consiste à se pendre à la corde pour remonter ensuite à la force des bras. C'est fini pour toi, là.
Vas-y putain, allez, vas-y là, allez, chope là-haut, chope là-haut, là. Ah, allez, tu vas le choper là. Au lieu de manger un yacht, je mange un steak saignant, hein. Et je reprends pas deux fois du dessert, je reprends un autre morceau de steak que je vole à ma petite sœur. C'est tout de suite, là. C'est tout de suite, faut attaquer bien. Schniak. Eh non, y'a pas schniak. Là, il a raté, chef d'équipe, caporal. Moi, il est là pour pousser, quoi. Et je lui avais dit, un gros cul, ça va être vite fait calé, quoi. Il y a un gros cul, c'est un mec qui bouffe, c'est un mec qui est imposant comme ça, mais il a un gros cul, quoi. Pas besoin de mec comme ça, quoi. Faut du fin, quoi. Ils sont pas tendres, hein. Ils sont pas là pour ça. Allez, je compte jusqu'à 5, je vais plus voir personne. 1, 2, 3, 4, Kingo. Je veux voir le caporal Bia et le caporal Surikov. Surikov est ukrainien, l'un des meilleurs éléments de la section. Qu'est-ce qui se passe avec tous les deux? Voilà la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Surikov, je te connaissais pas. T'es un caporal nickel, tiens la route, physique et tout. Bia, t'es pas au niveau. Oui, maintenant. Tu sais? Oui, maintenant. Donc, le problème là-dedans, c'est que t'as un grade de caporal. Et alors, quand tu montes pas ta corde devant les légionnaires, ils se disent, ok, bon, bah, le caporal, il monte pas sa corde. Moi, je vais me faire violence, mais pas trop, parce que de toute façon, on pourra rien me dire si le caporal, il monte pas sa corde. Conclusion de l'affaire. Surikov, tu prends la place de Bia. Tu passes adjoint chef de groupe. Moi, ce que je vois, c'est pour la section. C'est... Parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait une cohésion dans la section et qu'on tire vers le haut et pas vers le bas. Ok? Tu vois ce que je veux dire, Bia? Oui, maintenant. Donc, tu prends ça pour une sanction, tu auras raison. Après, le contrat est dans ta main. Hein. Allez, et tiens-moi. Aucun des deux à qui j'ai annoncé la décision n'a été surpris. Et ça s'imposait, c'est une décision qui s'imposait. Donc il y en a un qui va grincer un peu parce que quand on est caporal, normalement on fait pas de corvée, on fait pas de garde, on fait pas toutes ces choses-là. Et lui, il va redescendre d'un cran malgré son grade. Donc il va coincer un peu, mais ça lui fera du bien. Heureusement, le lieutenant de Péguillon a aussi des bonnes nouvelles. Remise de courrier qui se paye en caisse de bière. C'est-à-dire? Ah ouais. Allez, là, ceux qui ont du courrier comme ça dans les moments difficiles, où tout le monde ramasse un peu, hein. Bah, ceux qui ont du courrier, ça les aide à... C'est un bon moment pour eux, c'est une bonne nouvelle pour eux. Après, ils taillent des bières à leurs camarades. Voilà, Tamas. À la Légion, les hommes peuvent s'engager anonymement. On leur donne un nouveau nom, comme on peut leur attribuer une nouvelle identité. Ils pourront plus tard être rectifiés, c'est-à-dire reprendre leur vrai nom. Les gens qui sont rectifiés et qui sont plus sous anonymat reçoivent leur courrier. Maintenant, les gens qui sont sous anonymat, ben, ils n'ont pas reçu de courrier parce que la personne qui veut l'écrire ne connaît pas leur vrai nom, donc le courrier n'arrivera pas. Il n'y a plus de contact. C'est eux qui ont demandé. Hein. Jovanovic, alias Grenouille Sexy. Le chef Molinet, lui, est entré il y a 15 ans dans la Légion. On lui avait donné la nationalité suisse. J'ai pas changé mon nom, moi. Non, j'ai changé ma nationalité parce qu'il n'y a pas de Français à la Légion étrangère, en fin de compte. Vous êtes engagé comme légionnaire? Je me suis engagé comme légionnaire. On peut pas savoir pourquoi? Non. Non. Non, il n'y a rien de spécial, quoi. Mais ça, c'est un truc que chacun garde pour soi-même, quoi. Ça se dit pas? Voilà, je suis pas rentré parce que j'ai entendu de la musique et j'ai vu de la lumière, je vous rassure tout de suite, quoi. Parce qu'il faut avoir vraiment une bonne raison pour venir. D'ailleurs, celui qui franchit la porte de la Légion étrangère, même s'il s'en va après une période probatoire, on va pas le traiter de minable ni rien du tout, parce qu'il a déjà eu le courage de franchir la porte. Et c'est pas évident de la franchir, cette porte. Donc chacun garde au fond de soi-même sa petite histoire, on n'a pas à savoir pourquoi toi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Fais un peu partie, pas du mythe, parce qu'il y a des vraies histoires quand même. En fait, le sergent-chef Moulinet a été sous-officier dans l'armée régulière où il a commis un acte qui a brisé sa carrière. Il a payé sa dette à la société avant de recommencer à zéro en rejoignant la Légion. On va pouvoir pour l'apéro, caporal Tamas Gabor. Ça tombe bien d'être dans mon groupe. C'est un médicament pour notre groupe. Moi, j'ai une autre nouvelle. Hein, pour ceux qui n'ont pas eu de courrier, demain, entre 9h et 10h, avance de solde. Là, je pense que... Mais avant la solde, il faut se battre. En fin de journée, avant que le soleil ne se couche, le chef Molinet leur prépare l'exercice du lendemain. C'est parti d'un exercice qui va être mis en place demain.
ouais. en fin de compte. C'est leur deuxième jour de ces caps-là. Et on veut demain qu'ils conduisent une action brutale, ça veut dire un coup de main. Donc on a monté un thème tactique pour que ça fasse plus plausible. Quoi, hein. Ils vont faire un débarquement, ils vont faire un assaut. Un assaut par la mer. Voilà. Mais pour faire un assaut par la mer, ils ont besoin des deux autres groupes en haut qui vont évidemment cartonner d'abord les gens qui sont au sol ici. Sinon, on va essayer de le caler. Voilà, calé. Ça, c'est pas Omaha Beach ni Utah Beach, c'est Djibouti Beach. On ne vient pas à la Légion simplement pour se faire oublier, mais aussi par goût de l'aventure. C'est en effet souvent la Légion étrangère qu'on envoie sur les situations difficiles. Novak, ton équipe en appui, en ligne, à droite de l'équipe Anando. Dans les chargeurs de leurs fusils, des balles réelles pour habituer les hommes au vrai stress de la vraie guerre. Moi aussi, on est en appui. T'as pas fait. Bien sûr, quand même. Qu'est-ce que vous devez faire, vous? On va appuyer un groupe. Il va arriver avec les Zodiacs. La deuxième équipe arrive par la mer pour prendre la plage d'assaut. Ceux qui ont été héliportés prennent une position dominante pour couvrir l'arrivée des Zodiacs. Mando ! Deuxième logique comme lui. Juste devant nous, distance de 150 mètres en bas de la plage, en ligne. Oui, ça va. D'accord. Ensuite, au top, ouverture du feu, et que le Zodiac s'en va là-bas. Là. Pour groupe, disposition de combat, feu sur vos objectifs. Il n'y a qu'à Djibouti, dans cet environnement, que l'armée française peut partir à l'assaut d'une plage à balles réelles. Novak, halte au feu pour ton équipe! À moi, plus balles de feu! Top, débarqué! Lando, à droite, Novak, à gauche! Où vous, visuel sur objectif, le groupe qui progresse à 150 mètres! Disposition de combat! Feu! Le but de l'opération, c'est de faire sauter un dépôt de munitions symbolisé par un bidon d'essence après avoir éliminé les adversaires. Ok, on va passer vite fait, bien fait là. A priori, ils sont tous partis là. Ils sont pas partis, ils sont morts. Combien de temps il a? 2 minutes. Parti. Parti. Repli. Décrochage! Donc là, dans 2 minutes, ça pète, c'est ça? Dans 2 minutes 00, ça pète. Nando, embarqué! Parti, allez, aïe, aïe. 32. 32. À 32, embarqué, prêt à partir. 32 reçu. Bah, ça fait quand même quelque chose de vider un chargeur réel, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais. Ça fait quoi? Là, on sait qu'avec une munition d'exercice, à la limite, même si on vise bien, on sait très bien que il n'y aura jamais de trou en face. Avec des munitions réelles, c'est en plus un petit défi. Les trous en face, c'est l'instructeur qui les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Traité. L'essentiel, c'est de toute façon, un impact, c'est bon. C'est quoi traité? Ça veut dire que ennemi abattu, quoi. 1, 2, 3, ah, là, il y en a 4, là. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Notre finalité, c'est le combat. En face, ils doivent être descendus, et ça, ils savent le faire. Il faut aimer le tir, il faut aimer savoir servir de l'arme, et là, j'ai la preuve qu'ils savent s'en servir. Maintenant, s'ils ne savent pas nager, savoir nager, c'est un plus, c'est vrai, mais je préfère qu'ils savent tirer, que je vois tous mes cibles qui sont traitées, même s'ils ont un problème en natation, hein. Ça, je peux le régler. Mais le tir, c'est quand on aime, à ce moment-là, après, bon, quand ça shoot, on est content, quoi. Je suis content, là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais celui-là, il a bien ramassé, tu vois. On peut faire une râpe à gruyère avec. L'après-midi, les épreuves reprennent. Et derrière, ça pousse, ça crie, ça queen, mais ça dit rien et ça bosse. On a besoin de tout le monde au parcours collectif. C'est parti. Allez, 4, go, go, en avant. De 3 semaines, il faut qu'ici, ils sortent le cœur à 140 au moindre bruit, au moindre geste. Il faut que ça pète de tous les côtés. C'est ça qu'un stage commando doit leur faire assimiler. Ça doit sauter de partout, ça doit bondir, ça doit... sans aucune retenue, tout droit et je fonce. Les réveiller, c'est-à-dire prendre conscience qu'ils peuvent sauter, qu'ils peuvent faire des choses que peut-être ils n'imaginaient pas, qu'ils n'ont vu que à la télé ou dans certains films. Donc ils peuvent le faire et ils le feront. Mon adjudant, il faut qu'ils perçoivent la solde au plus vite. Ah, même si on était dans une tranchée, ils auraient eu leur solde. Hein. La solde, c'est la solde. Hein. Eux, ils sont en train de faire la piste. Ils descendent de la piste, ils perçoivent la solde, et ils vont remonter avec la solde, continuer à faire la piste. Lorsqu'ils sont en mission à l'étranger pour des combats comme en Côte d'Ivoire ou pour un entraînement comme ici à Djibouti, les légionnaires touchent 2,5 fois leur solde, 2500 euros. Qu'est-ce qu'il fait le légionnaire quand il touche son argent? Normalement, il flambe. C'est-à-dire? Normalement, il flambe, ça, il fait la fête. Parce qu'il n'est pas sûr de dépenser la prochaine fois. Il flambe, là. Pendant 15-20 jours de perme, c'est parti, quoi. Champagne, quoi. Puis 3 jours après, ils n'auront plus rien, quoi. C'est terminé, quoi. Ils ont flambé, quoi. Et pour l'instant? Pour l'instant, bah, ici, ils regardent, on l'a remis dans un sac en plastique. Le stage continue. Allez, en avant, Dubois. Le parcours du combattant, on appelle cela la piste. Elle s'effectue sur terre ou en mer. Ce parcours en équipe doit être réalisé en moins d'une heure. Le groupe de Biard et Novak a bien marché. Top, soufflez. Le groupe, devant moi, rapidement. Alors, on va arriver par là, là. Top. 48 minutes. 48 minutes. Le parcours a été fait correctement, au niveau technique. Mais là où je suis pas content, c'est au niveau groupe. Vous êtes dans un stage commando, alors vous vous éclatez comme un commando. Le futur commando, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Il est fatigué, il s'en fout. Le temps est correct, il manque le... Ok. À l'infirmerie, une évacuation sanitaire est en préparation. Bon, maintenant, c'est pour vous dire qu'il y a une demande d'évasane qui a été faite, là. Le légionnaire Nado, bon, comment on dit ça, un malaise, trouble neurologique. En fait, de trouble neurologique, le légionnaire ne voit plus rien. Il délire, il croit qu'il va mourir. Si le légionnaire Nando récite des prières, c'est qu'il était séminariste avant de rejoindre la Légion. Le capitaine Morel n'a encore jamais rencontré un tel cas. Oui, mon capitaine. Vas-y, parle. Oui, mon capitaine. Oui, mais pas le prêtre. Non, je suis pas prêtre, moi. Tu sais très bien qui je suis. Moi, j'ai ton capitaine. Le légionnaire continue son délire en latin. Ça ne peut pas bien servir si t'es complètement crevé, là. Donc là, t'es fatigué, tu vas te reposer, après tu reviens. La mission est sacrée. La mission est sacrée. Alors, tu vas faire un petit voyage en hélicoptère. Tu vas aller te reposer une journée à l'hôpital. Et puis, tu reviens. Voilà, donc. Bon, quand il y en a un qui part un petit peu dans le gaz comme ça, il faut qu'il parle. Donc dans ce cas, il faut parler de n'importe quoi, mais il faut parler.
C'est un jeune légionnaire. Et il a voulu absolument tenir coûte que coûte. Et puis ça n'a pas été très heureux. Le coup de chaleur, donc le terme médical, c'est l'hyperthermie maligne de l'effort, c'est oui, on peut en mourir. Hein. Et ici, on peut en mourir facilement. Nando, ancien séminariste péruvien, sera hospitalisé pendant quelques jours à Djibouti. Le temps de retrouver la vue et de se reposer, avec son départ, ses compagnons ont pris nettement un coup au moral. Deuxième et troisième section, mon commandement, repos, serré vers l'avant. Bon, je vous dis un mot avant de redescendre. La première semaine de stage, c'est la plus difficile, c'est la plus éprouvante, c'est celle où on ramasse le plus. Alors, il y en a individuellement qui ont des petits problèmes. Ça n'enlève rien à la valeur personnelle de chacun. À partir du moment où, quand il faut y aller ensemble, eh ben, tous ensemble, à l'assaut, c'est parti. Et on laisse personne derrière. Alors, il y en a un qui s'est sorti les tripes, c'est Nando. Et là, il a fait ouche tout à l'heure. Canne flush, et il est évacué. Il n'y a pas de préparation particulière. Vos camarades du REP, ils se sont retrouvés dans le chaudron en Côte d'Ivoire en deux temps, trois mouvements, et ils n'étaient pas spécialement préparés à ce genre d'action. Restez tous ensemble et à l'assaut. Plan ensemble. Aïe ! Il leur reste encore 15 jours de souffrance avant d'obtenir ce diplôme d'aguerrissement. Même si Hamzaoui sait qu'il ne l'aura pas, il continue, on ne laisse derrière personne, c'est la règle. Le caporal Biard sait qu'il ne redeviendra chef d'équipe qu'avec ce brevet. 8 légionnaires sur 10 réussissent le stage commando qui les prépare à intervenir dans des conflits comme celui en Irak, dans la chaleur du désert. Au même moment, à 8000 km de Djibouti, la Guyane française. Autre type de climat, autre type de terrain, la jungle. D'autres légionnaires qui ont le brevet d'aguerrissement préparent la dernière épreuve de leur stage de combat. Cela fait 2 mois qu'ils sont en forêt. Parmi eux, le légionnaire Palmer, un Australien de 32 ans. Il porte le fusil mitrailleur de sa section. Normalement, dans la section, on donne le fusil mitrailleur au plus ancien, le gars qui est dans la section depuis plus longtemps, celui qui en sait le plus et qui a le plus d'années de service. Et vous avez de l'expérience ? Oui, j'étais dans l'armée australienne avant. L'exercice de combat qui débute est la synthèse de tout ce que ces hommes ont appris depuis leur arrivée en Guyane. Il faut qu'ils se déplacent dans un milieu hostile, qu'ils se camouflent, qu'ils bivouaquent, puis ripostent à des tirs, enfin, qu'ils infiltrent un camp rebelle et qu'ils le détruisent. Une mission de 72 heures dans l'enfer vert. Nous sommes à 80 km de la frontière brésilienne, au centre d'entraînement en forêt équatoriale de la Légion. Le terrain où l'armée française prépare ses guerriers au combat en jungle. L'exercice de synthèse commence de façon spectaculaire. Les soldats sautent de l'hélicoptère dans un fleuve dont les courants sont dangereux. Oui. Le légionnaire Palmer est l'un des premiers à atteindre la rive. Ces hommes sont supposés être en territoire ennemi. Il faut être le plus silencieux possible. Dans la forêt, en effet, c'est par le bruit que l'on se fait repérer. L'ennemi est invisible. Ils savent que leurs instructeurs ont disposé sur leur chemin un plastron de rebelles qui peut ouvrir le feu à tout instant. Que la section puisse reculer en bon ordre avec le moins de dégâts possible, il se replie un par un. Il y en a toujours un qui couvre le dernier. Le groupe a plutôt bien réagi, mais l'instructeur ne laisse rien passer. Il y en a un peu trop qui font du bruit avec leur arme plutôt que tirer.
C'est pas... je tire en l'air. Si l'ennemi les cartouche et lui passe dans les arbres, il va vite comprendre que vous savez pas où il est. C'est un grand poker, ce genre de combat. Hein. C'est celui qui est le plus décidé qui peut bluffer l'autre. On prépare. Les légionnaires parcourent les 5 km qui les séparent du camp rebelle en un peu plus de 6 heures. Le camp est à quelques centaines de mètres, ils savent où il se trouve, mais ignorent comment il est défendu. Avant de l'attaquer, ils doivent prendre leur marque. Le repérage commence. Ronda est le meilleur dans cet exercice. Si Ronda se fait repérer, la section aura perdu. L'information, je sais à peu près où c'est qu'ils se trouvent les carbets. Dans laquelle ils font la cuisine, dans laquelle ils dorment. Où c'est qu'il y a la radio. Le groupe doit avoir une vision précise du site. Ronda utilise alors des feuilles et des bouts de bois pour matérialiser ce qu'il a vu. Donc le lion avec les pièges, en fait. En gros, il fait ça. Demain matin, c'est le plus simple. Partir aux aurores. Quand il fera encore nuit, on prend le lion et on monte par ici. Le lendemain à l'aube, les soldats qui figurent les rebelles se doutent que l'assaut est imminent. La plupart ne sont pas des légionnaires. Ça arrive, ça va arriver par, par les contrebas. Ou alors par, en haut. Ça va aller vite. Ça va donner, ça va aller vite. Les légionnaires cherchent le chef des rebelles pour le capturer. Ce n'est pas le bon. C'est de l'autre côté du camp que les soldats trouvent celui qu'ils cherchaient. Supposé être le chef des rebelles, debout. En fait, l'objectif de l'exercice, c'est de ramener le chef pour pouvoir montrer à des instances internationales l'existence du camp et des rebelles. Le chef doit être ramené sain et sauf, même s'il n'est pas d'accord. Le retour dure plusieurs heures. Plus de 2 jours déjà qu'ils sont dans la jungle. Le géant australien Palmer souffre. Il demande à un autre soldat d'échanger son fusil plus léger contre le fusil mitrailleur. C'est lourd ? Hein ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Bien. Palmer ne veut pas le montrer, mais il ne va pas bien. Une poussée de fièvre l'affaiblit. Donc ça, c'est un problème à gérer. On va ralentir le rythme. Le lieutenant lui annonce en fait qu'il ne finira sans doute pas la mission. Ouais, ça se trouve, c'est pas lui. Le paludisme, appelé la fièvre des marées, une affection mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Les cachets anti-douleurs font leur effet, Palmer continue. Il redouble même d'efforts pour que l'officier le laisse aller jusqu'au bout, malgré la fièvre qui monte. C'est toujours important pour finir la mission. Parce que pour le régionnaire,
Mission is sacred. On m'a call on là. J'avais dit, mission is sacred, jusqu'au bout. Tu vois, t'es plus. Je suis fier d'être légionnaire. C'est toujours une expérience. Ça m'a donné une nouvelle chance. Les gens me demandent pourquoi, pourquoi tu fais ça. Mais c'est difficile de leur raconter toute mon histoire. Le secret de l'histoire de Palmer n'intéresse pas les autres légionnaires, mais ils sont fiers de l'avoir avec eux. Ils savent ce qu'il endure. Ils sont impressionnés par son comportement. Malgré la fièvre, en arrivant au camp, il avait repris son fusil mitrailleur. Allez, fin de l'exercice! Après 72 heures de repos, ils repartiront pour un nouvel exercice qui doit durer une semaine. Damien Palmer ne sera pas de l'aventure, le médecin décide de l'évacuer vers l'hôpital de Cayenne. Voilà, donc deux solutions ce soir. Soit il vous garde à Cayenne, donc nous on vous récupérera demain ou ce week-end, d'accord? L'examen montre qu'il a la dengue, une infection virale transmise par la piqûre d'un moustique, une maladie qui tue si elle n'est pas traitée à temps. Des légionnaires qui risquent leur vie, il y en a eu beaucoup ces derniers temps en Côte d'Ivoire, surtout ceux de la compagnie du capitaine Dunant. Ce lundi 24 mars 2003, ils sont revenus en Corse. La mission a été éprouvante, mais l'opération Licorne est considérée comme un succès par l'armée française. Le processus de paix a été sauvé, même si le gouvernement de réconciliation nationale tarde à se mettre en place. On a vécu des moments très intenses, en particulier les moments des combats. Tous les épisodes de feu, d'évacuation de nos blessés. On a vu beaucoup de détresse, beaucoup de misère humaine, avec en particulier énormément de réfugiés, très nombreux, désemparés, qui ont beaucoup souffert, qui continuent de beaucoup souffrir maintenant, alors que nous, on est revenus ici. Et on ressort de là un peu grandi. Là. En 4 mois, ils ont subi plusieurs attaques rebelles. 11 ont été blessés. L'un d'entre eux a même été amputé d'un bras. Les légionnaires du 2e REP ont le sentiment d'avoir été utiles. Nos blessés vont être les premiers à bénéficier de la loi votée il y a 3 ans maintenant, selon laquelle le sang versé au service de la France permet d'obtenir la nationalité française. 6 légionnaires blessés en Côte d'Ivoire ont fait en effet cette demande. Ils ont bénéficié de la loi dite « français » par le sang versé. Pour devenir français, je pense qu'on leur doit bien ça.